béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous voici encore une fois, Seigneur, devant toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever nos voix, Seigneur, élever nos cœurs, Seigneur, vers toi. Seigneur, voici, Seigneur, que finit ce mois de mars, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous ne voulons pas entamer le mois d'avril sans d'abord, Seigneur, vraiment proclamer ta bénédiction sur nos vies. Oui, Seigneur, nous voici devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois d'avril qui va commencer. C'est le quatrième mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur notre vie à chacun pour ce mois d'avril. Seigneur, nous déclarons ce nouveau mois que nous allons voir. Nous allons enfin voir l'accomplissement de tous nos efforts, Seigneur. Oui, mes bien-aimés, associez-vous avec cette prière pour votre propre vie et voyez combien la bénédiction de l'Éternel descend sur vous. Oui, c'est le mois d'avril. A comme accomplissement. Accomplissement. Nous servons un Dieu incroyable, véritable et insondable. Un Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voici la promesse qu'il fit à Abraham. Je t'ai établi père d'une grande multitude, d'un grand nombre de nations. C'est pourquoi Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps fût déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est le Dieu de tous les accomplissements. Ce qu'il promet, il l'accomplit au temps favorable, car il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est pourquoi tu peux avoir une pleine confiance sur toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur toi. Aucune, je dis bien aucune, ne restera sans effet. Toutes s'accompliront. Toutes s'accompliront. Car il dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Oui, nous servons un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il promet. N'a-t-il pas été fidèle à la promesse qu'il avait faite à Abraham et Sarah en leur accordant un enfant? N'a-t-il pas été fidèle à la promesse qu'il avait faite à Moïse en faisant sortir son peuple d'Égypte? N'a-t-il pas été fidèle quand il délivra Daniel de la cage au lion?
n'a-t-il pas été fidèle quand il délivra ses amis de la fournaise ardente? N'a-t-il pas été fidèle en nourrissant Élie dans le désert au travers un corbeau? N'a-t-il pas été fidèle en proclamant David roi et le faisant monter sur son trône? Oui, je le déclare, il a été fidèle, fidèle en toutes choses, fidèle en toutes choses. Il tiendra aussi sa promesse pour toi, mon frère, ma sœur, sois assuré qu'il tiendra sa promesse envers toi. Aujourd'hui, tu es peut-être célibataire, mais demain, tu trouveras quelqu'un qui te correspond. Tu ne seras pas toujours seul. Aujourd'hui, tu es peut-être malade, mais demain, Dieu t'accordera la guérison pour ton corps tout entier. Aujourd'hui, tu es peut-être dans de grandes difficultés financières, mais demain, Dieu t'accordera une bénédiction surnaturelle que tu n'aurais jamais osé espérer. Oui, aujourd'hui, tu es peut-être face à une famille divisée, un couple sur le point de se séparer, des enfants rebelles, des relations d'amitié brisées, des relations professionnelles difficiles. Peu importe, sache que Dieu a le meilleur en réserve pour toi. Et il est capable, oui, il est capable de tout reconstruire, de tout rétablir, de tout inverser pour que tu vives pleinement une vie épanouie dans la paix et dans la joie tous les jours de ta vie. Continue à croire aux promesses de Dieu pour ta vie. Ne faiblis pas, n'abandonne pas, ne doute pas. L'accomplissement des promesses de Dieu nous est assuré en Jésus-Christ. Alors, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et déclarons comme David, « Je te loue, Éternel, pour ton amour et ta fidélité, car tu as accompli, au-delà de ce que tu avais promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné le courage et tu m'as rempli de force. » Oui, rendons-lui gloire et honneur à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Nous entamons ce mois d'avril. V comme visible. Oui, visible, mais aussi invisible. Je suis l'Éternel, votre Dieu, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya un chemin dans la mer et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne les chars et les chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus jamais se relever, anéantis, éteints comme une mèche, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Oui, l'Éternel est celui qui crée toutes choses à partir de rien, à partir du néant. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et
qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir la perfection de ta création. Les choses qui sont invisibles à nos yeux. Montre-nous ce qui nous est caché. Mets du collyre sur nos yeux afin que nous soyons plus aveugles face à ta grandeur, Seigneur, face à ta puissance, face à ton amour. Ouvre nos yeux comme Élisée te l'a demandé pour son serviteur, afin que nous aussi nous puissions contempler la multitude d'anges qui se tient à nos côtés afin de combattre avec nous dans nos problèmes et nos difficultés. Car nous savons que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux dans l'invisible afin que nous puissions saisir la grandeur des plans que tu as en réserve pour nous. Que les écailles que l'ennemi a tenté de mettre sur nos yeux tombent par la puissance de ton Saint-Esprit. Que le brouillard qui s'élevait devant nos yeux et nous empêchait de voir la réalité de ta présence à nos côtés soit dispersé, dissipé, afin que nous voyions et nous réalisions pleinement de quel amour et de quelle bienveillance tu nous entoures jour après jour. Que la confusion soit anéantie, que les nuages spirituels qui s'amoncelaient au-dessus de nos têtes soient chassés et que la lumière, la clarté, le ciel bleu resplendissent à nouveau au-dessus de nos vies. Oui, Seigneur, que l'invisible devienne visible à nos yeux. Montre-nous la splendeur de ton royaume céleste. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre notre discernement spirituel et rends-nous plus sensibles aux choses célestes. Et que le visible devienne invisible à nos yeux. Que nos problèmes et nos difficultés, nos épreuves et nos combats ne soient plus menés par la chair et nos capacités humaines, mais que désormais nous les affrontions et les gagnons par l'esprit dans les lieux célestes. Désormais, aide-nous à marcher par la foi et non plus par la vue. Oui, R comme révélation. Révélation, Seigneur, nous avons besoin de la révélation dans nos vies. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Seigneur, viens te révéler toujours plus dans notre vie. Nous avons besoin que tu te révèles avec puissance et avec autorité dans notre cœur et dans nos pensées. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous révèles qui tu es vraiment. Oui, Seigneur, et qui nous sommes vraiment en toi. Oui, parce que c'est ainsi que nous pourrons découvrir nous-mêmes de quelle est notre vraie identité en toi, Seigneur. Oui, car c'est en Jésus-Christ que tu nous révèles notre vraie identité. C'est alors que tu comprendras qui tu es en lui, que tu comprendras tes réelles capacités, tes réels points forts, tes dons, oui, qui tu es vraiment en lui et tout ce qu'il a placé en toi. Toutes tes qualités qui sont réellement enfouies au plus profond de toi. Oui, au départ de la création, quand il t'a créé, il a fait de toi un enfant plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Il a mis en toi cette force qui te fera surpasser toutes les tempêtes qui viendront secouer ta vie. C'est là, c'est déjà en toi. Et peut-être que tu ne le sais pas, ou peut-être que tu n'y as jamais pensé. Mais tout est déjà en toi. Et ne demande qu'à être révélé, activé par la foi en toi.
Dieu a fait de toi un enfant plus que vainqueur. Et il n'a pas l'intention de te laisser sombrer dans tes problèmes et dans tes difficultés. C'est pourquoi il trouvera toujours le moyen de t'aider, de te montrer le chemin, de te donner de nouvelles forces quand tu seras abattu. Jusqu'au jour béni où tu verras enfin qui tu es vraiment. Oui, Seigneur, et ce que tu as prévu pour nous, pour chacun de tes enfants, pour nos familles, pour nos vies, pour nos ministères, Seigneur, révèle-toi toujours plus. Quand tu t'approcheras de lui, toujours plus près, tu apprendras non seulement à le connaître, mais tu pourras enfin définir qui tu es vraiment en lui. Oui, tu pourras découvrir au fur et à mesure de ta marche à ses côtés qu'il a toujours été là dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, dans chaque circonstance négative. Il t'a toujours donné la force et la capacité de l'affronter avec détermination, avec courage et assurance. Et là où il y avait la peur en toi avant, maintenant il y a le courage, l'audace, une force de caractère que tu ne soupçonnais pas avant. Et là où tu avais des difficultés à élever la voix peut-être à cause de ta timidité, il te donnera une langue exercée, comme celle d'un disciple, pour soutenir, relever, encourager, consoler les autres. Et là où tu éprouvais de la peur, une peur telle qui te paralysait, te bloquait, t'empêchait même de prononcer un seul mot, tu trouveras la force et l'audace d'affronter chaque circonstance, même les plus difficiles. Oui, tu seras changé, transformé et utilisé pour sa gloire. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. » Oui, ta vraie valeur est cachée en Christ. Ta vraie identité se révélera au fur et à mesure de ta relation avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Christ te montrera le chemin. Christ travaillera en toi, à travers toi et autour de toi. Il travaillera ton caractère, il travaillera tes pensées, il travaillera tes paroles, il changera ta façon d'agir et de réagir face aux circonstances. Tu ne seras plus pareil. Tu seras changé et transformé en une nouvelle personne. Et cela se fera au fur et à mesure de ta marche à ses côtés. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, ta parole est une puissance. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu nous accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Avril, c'est aussi le mois d'invoquer. I comme invoquer. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui, je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Je t'invoque car tu m'exauces.
Ô Dieu, incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Montre-moi la bonté. Toi qui sauves ceux qui te cherchent, ceux qui cherchent en toi un refuge, et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants, ceux qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Fuis la passion de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Seigneur, ce mois d'avril, c'est aussi le mois de la louange, elle comme louange. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saints lui sont venus en aide. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrez votre Dieu avec la harpe. Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Je te célébrerai. Je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi, Seigneur, que je célèbre. Car Dieu, mon Dieu, est bon. Et il est ma haute retraite. Les rachetés de l'Éternel retournent. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Pourtant tu es le saint, tu sieds au milieu des louanges, Seigneur et Dieu. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab. Et ils furent battus, exterminés au travers la louange qui monta vers notre Dieu. Que sa louange soit toujours sur nos lèvres, afin de le glorifier dans les bons comme dans les mauvais moments. Que la louange envahisse nos maisons, que la louange envahisse nos foyers, que la louange envahisse nos familles, afin que la gloire de l'Éternel descende avec puissance dans nos vies. Que toutes les paroles qui ont été prononcées aujourd'hui deviennent une réalité dans vos vies. Oui, mes bien-aimés, soyez bénis,
abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez pour ce mois d'avril. Amen. Je ne manquerai.
Sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions et je marche en nouveauté de vie sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrai devant mon Dieu mon péché et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel, mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.